Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 7h55, je suis réveillée depuis 6h moins le quart, puisque j'ai dû réveiller Georges plus tôt pour qu'il fasse son devoir et qu'il aille à la douche. Hier, il nous a fait une big connerie, mais je peux pas trop en parler. Voilà, il nous a fait une belle connerie. Bref, donc, mon petit vie. D'abord, déjà, je suis en train d'actualiser non-stop depuis 6 heures ce matin mon suivi pour mon colis Révolution, puisqu'il est toujours marqué en procédure d'importation et qu'il me faut la palette au plus vite pour faire la vidéo pour ce soir. Donc, si jamais je ne l'ai pas, vous aurez autre chose en attendant. Hein, mais voilà. Alors, attendez. Je m'installe. Donc, mon petit week-end, le vendredi, j'ai refait mes ongles. Hein, ça commence à être routinier pour vous. Voilà, j'ai refait du 4 size. Ça aussi, ça commence à être routinier pour vous comme pour moi. J'ai refait mes ongles le soir. Sinon, le reste de la journée, j'ai principalement fait du montage. Enfin, après que je vous ai laissé, quoi. Et donc, samedi, on n'a pas été à l'anniversaire du petit, puisque... Enfin, de mon neveu, quoi. Puisque son plus grand frère... sa prof avait le Covid. Donc, comme il est un cas contact, ils doivent se mettre en quarantaine, du moins lui, alors que son petit frère peut aller à l'école. Donc, il a fait un premier test samedi qui était négatif, et il doit en refaire un vendredi. Donc, s'il est négatif, on ira à l'anniversaire de son petit frère la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Sinon, il faudra attendre que ce soit safe, quoi, voilà. De toute façon, s'il est positif, après, ils vont tous se mettre en quarantaine pendant au moins 20 jours. Donc, j'ai dit à mon frère, si t'es pas sorti de l'auberge avec cette histoire-là, parce que le plus petit de mes frères, hein, celui que je vous parle un peu moins que d'habitude, parce qu'on se voit beaucoup moins, parce qu'il habite un peu plus loin. Il habite pas non plus à l'autre bout de la planète, hein, mais toujours procédure d'importation. Donc, j'attends 8 heures, hein, 3 minutes encore, et je pourrai réactualiser encore une fois. J'ai reçu mon colis Vinted, enfin chérie a été me chercher mon colis Vinted de la part de mon abonné José. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et le dimanche, Georges nous a fait la boulette. Moi j'ai tourné deux liners pour la vidéo du 24. J'en ai fait un avant la sieste et un après la sieste. Voilà. Comme ça, j'ai pris un peu d'avance. Je suis pas en retard dans mes vidéos, mais bon, moi j'aime bien boucler les vidéos au plus vite. Et là, c'est une quand même assez longue, puisque normalement, je dois faire 5 liners. Donc, comme c'est assez long à tourner, j'aime pas trop que ça traîne. Là, priorité maintenant au swatch and make-up de cette semaine. Et après, je fais le dernier. Comme ça, je peux faire mon montage et tout. Et voilà. Donc, je vous remets le Vinted, encore une fois, de José, de mon abonné José, qui est donc exubérant, Enfin, voilà. Je vous le remets en barre d'infos et je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors, au départ, j'ai commandé ceci. Avec les boîtes. Hein. Il y avait les boîtes, mais j'ai déjà acheté parce que... Voilà, je voulais absolument tester les Lime Crime. Et du coup, elle les vendait 5 euros pièce. Et avec la réduction des 3 articles achetés, ça me faisait 12 euros les 3. Donc, ça revient vraiment pas cher. Donc, il y a le Poly, le Utopia et le Pansy, dans l'ordre comme ça. Poly, Utopia, Pansy. Donc, ils sont dans les teintes rose mauve. Moi, j'ai déjà fait les swatchs samedi, hein, parce que forcément, vous me connaissez. Et je ne les ai pas trouvés super opaques, contrairement à ce qu'on entend partout. Voilà, là, il est déjà un peu mieux. Donc, à mon avis, ils avaient un peu, avec le changement de température. Donc là, c'est le Poly. Voilà, qui est un beau rose. On va passer au Pansy, qui est un gros violet. Un gros violet. Voilà, celui-ci, par exemple, vous voyez comment ce qu'il fait. Il est moins opaque, donc je vais essayer de resecouer un coup. Oui, c'est comme ça que je secoue mes produits. Cherchez pas à comprendre. Ah, ça a l'air mieux. Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Il n'a pas l'air super opaque, celui-là. Bon, après, à tester sur les lèvres, hein, et puis une fois qu'ils se seront bien remélangés. Et donc, le Utopia. Vous voyez, il n'est pas opaque non plus, je trouve. Pourtant, on m'avait dit que c'était super opaque et tout. Je ne sais pas trop.
Mais voilà, les couleurs sont super belles. Il faudra que je teste ça sur mes lèvres. Et comme à chaque fois que je fais un achat vintage chez elle, elle me blinde de cadeaux. Donc, je vais vous montrer ça. Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de choses, encore une fois. Hein. C'est complètement folle, José. Donc, je te dis encore une fois merci. Même si je t'ai déjà remercié, mais je te dis encore une fois merci. Attendez, hein, je chope tout parce qu'il y a beaucoup. Hein. Voilà. Donc déjà, elle m'a mis trois liners comme ça. Comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est des Shimmer Eyeliner. Eyeliner de chez Absolute. Je ne sais pas quoi. Je ne connais pas du tout. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc, il y a un cuivré. Voilà. Alors, c'est une pointe que j'aime pas trop. C'est en espèce de mousse comme ça. Mais comme c'est des liners qu'on n'utilise pas... le temps, il y a un bleu turquoise magnifique. Oh là 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 là, il est beau. Et un espèce de violacé bordeaux, aubergine. Ouais, aubergine, je dirais. Qui est très beau aussi. Voilà. Donc, il y avait ça. Elle m'a mis également ceci, donc c'est un petit roll-on anti-stress de chez Révolution. Donc ça, moi, je ne l'utiliserai pas puisque c'est à base d'huile essentielle. Et je crois que vous commencez à comprendre que moi et les huiles essentielles, on n'est pas très, 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 très copains. Mais je vais le mettre dans le colis que je prépare pour les filles, enfin, dans le petit pochon que je prépare pour les filles, pour si elles veulent le tester. Voilà, moi, c'est pas le genre de produit... S'il y a des huiles essentielles dedans, je suis allergique à pas mal d'huiles essentielles, donc je préfère pas trop tester. Elle m'a mis un mascara, je ne connais pas non plus, extrême volume, Black Granite, C-R-O-N, je ne sais pas c'est quoi la marque. Mais bon, ça je testerai, sinon pareil, ça ira pour les filles ou pour ma nièce. C'est une brosse en poils, donc j'aime bien ça. C'est une brosse classique. Il ne veut pas faire le funky. Je me suis trompée de bouton. Je voulais faire le focus, j'ai éteint. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Elle m'a mis une petite éponge. Donc là, je ne connais pas du tout non plus. Beauty Planet Duo Makeup Egg. Voilà. Elle est moitié noire, moitié rose. Donc, on va voir la mollitude de la chose. Ah, il est 9h03. 8h03. Ah, toujours en procédure d'importation. Je sens que je vais me stresser toute la matinée avec ça. Bon, attendez, je prends un ciseau. Franchement, si vous cherchez des bonnes affaires, foncez sur son Vinted. Hein. Elle a énormément de choses et elle revend tout pas très cher. Alors, le côté noir est moins souple que le côté rose. Alors, ça, c'est extrêmement étrange. Mais ça peut être sympa. Ah oui, on sent bien quand on appuie comme ça. Bon, elle n'est pas mouillée, hein, mais... Donc, je la testerai volontiers. Elle m'a mis un kit comme ça pour les lèvres. Donc, il y avait un plastique encore un dedans. Il était emballé normal, moi, j'ai enlevé. Donc, c'est un liquide lip topper et un lip pencil Rainbow Drop de chez Lovely. Je ne connais pas du tout. Le packaging est très beau. Pareil, j'ai déjà fait les swatchs, moi. Donc, je sais les couleurs. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé beaucoup. Donc le crayon est comme ça, tout holographique vêtu. Et ça, c'est le topper. Donc voilà le crayon, qui est un crayon tout ce qu'il y a de plus classique rose. Il n'est pas métallique celui-là. Ah si, j'ai rien dit. Ça, c'est la couleur du crayon. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Et le topper, j'ai beaucoup aimé. Je vous le mets à côté, hein. Bah, je vais vous le mettre dessus aussi. Et j'ai remarqué en faisant le swatch qu'il séchait et qu'il bougeait plus du tout. Donc ça peut être pas mal pour les lèvres. Voilà. Très joli. Elle m'a mis un petit mixing liquide de chez Thin Skin. Mix and Fix. Donc bah, c'est tout simplement un mixing liquide hein, pour mélanger vos paillettes ou fard à papier. Il est tout. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, je sais pas si elle a la contenance de noter 15 ml. Donc, c'est pas rien. C'est très bien. Et comme moi, j'utilise beaucoup ce genre de produit,
c'est pas perdu, il va aller dans mon backup. Elle m'a mis, regardez cette mignonitude, un petit contour des yeux Tony Moly. Donc c'est le Moisture Boost Ice Cream de chez Tony Moly. C'est une petite baleine. Et trois choupinettes. Trop mimi. Et ça tombe bien, j'ai fini mon contour des yeux hier, donc je vais pouvoir le tester dès maintenant. Avec l'opercule de protection. Alors le packaging n'est pas hyper pratique. Après c'est typique de chez Tony Moly, hein. Mais ils sont tellement mignons. C'est tellement choupi. Ouf, bou bou bou. Oh, j'adore. Et pour finir, elle m'a mis un petit fard mono comme ça de chez Ilamasqua. Donc j'ai absolument jamais testé. C'est le oh my god, le OD15 Beyond Powder. Donc c'est un doré, je l'ai utilisé hier pour poudrer mon arcade sourcilière et ça le faisait, franchement ça le faisait, et à mon avis en tant qu'highlighter ça peut être sympa aussi. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est un poids de 2 grammes. Il est très joli. Bon, après c'est pas du tout le genre de teinte que moi je peux utiliser, mais c'est beau. Et je vous dis, je l'ai utilisé en dessous de mon arcade pour poudrer mon arcade hier. Donc ça fait un effet shimmer. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma lumière de fou. Mais je pense qu'en tant qu'highlighter, il peut être sympa aussi. Et comme j'ai pas d'highlighter doré, figurez-vous que je me suis rendu compte que j'avais pas d'highlighter doré. Donc voilà, enfin de vrais highlighters dorés. J'ai le BK slash Sananas, mais il est entre le doré et le rosé. Voilà pour ça. Donc, j'actualise encore une fois. Toujours en procédure d'importation. Ça m'énerve. Mon colis Colourpop. Est-ce que la poste a modifié? Puisque là, il arrive chez mon frère. Ouais. Là, ça a bougé. Donc, il est en cours de livraison. Mais il arrive chez mon frère. Donc, j'irai le rechercher ce soir. Est-ce que j'ai autre chose qui est censé arriver aujourd'hui? Mais bon, Bipost n'a toujours pas actualisé les trucs. Donc, en route pour la Belgique, pour ma petite Harley Quinn. Le regroupement de ma commande AliExpress. Je vais vous dire en même temps. Hein, je vais vous dire en même temps. Voilà, donc José, encore une fois, merci pour tout ça. C'est énorme, 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 énorme. Donc, il y a plein de choses que j'ai hâte de tester. Il n'y a que le petit roll-on, là, que je vous dis, moi, les huiles essentielles, c'est pas trop mon kiff. Donc, je vais le préparer pour les filles et je testerai le mascara. Si jamais j'aime pas trop le rendu, il ira à ma nièce ou pareil aux filles, quoi. Ça, je vais tester juste après. Voilà. Bon, attendez, hein, le truc se fait. Ah oui, j'étais en train de me dire, ah, ça fait que 6 minutes que je filme, mais non, ça fait déjà 13 en fait. J'ai oublié de couper le son et j'avais coupé l'appareil. Bon, bref, mon suivi ne se met pas à jour. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais voir si j'arrive à m'avancer un peu, au moins pour le réel. Ouf. Parce que comme j'ai le réel à faire aussi, et là ça se fait en plusieurs étapes, hein, les réels, ça fait ça va vite à tourner, vite à monter, mais faut pas se foirer, faut pas louper une étape, sinon vous foirez tout votre réel, quoi. Voilà, voilà, donc là je vais essayer de m'avancer un peu, faire mes soins. Ils tiennent bien les liners, hein. Je suis au biphase dessus. Des maquillants pour les yeux biphasés. Ah, ça m'énerve. J'aimerais bien qu'il me marque qu'il est en cours de livraison. Enfin, de toute façon, au pire, je vous mettrai la rotation que j'avais prévue pour mercredi. Et puis voilà, mais c'est chiant, quoi. Normalement, j'aurais dû avoir le colis vendredi dans mes calculs. Bon. Écoutez, je vous laisse là pour l'instant et j'ai l'oreille qui me chatouille.
Si jamais je reçois autre chose que mon colis Révolution, puisque là il n'y a que les deux palettes, plus celle pour l'anniversaire de ma nièce, si jamais je reçois autre chose au facteur, je vous montrerai ce que je peux vous montrer. Mais sinon, je pense qu'on peut déjà switcher 2 jours, on verra bien. Voilà, on verra. Là, je vais faire mes soins et m'avancer dans mon réel et on verra si le facteur passe et si mon suivi évolue. Donc, soit à tantôt, soit à demain. Là. Alors, il est 8h09. Voilà. Ok, bonne journée. Donc, hier, j'ai reçu. À peine je vous ai laissé, j'ai vu le suivi qui s'est actualisé et du coup, j'ai reçu ma palette Harley Quinn, puisque vous avez eu de toute façon la vidéo et le réel et le post. J'ai également reçu une commande AliExpress juste après. J'avais recommandé deux vernis, deux VSP Yorkshire. Donc j'ai pris un vert et un rose. En fait, j'avais pas de rose flashouille. Manon arrêtait pas de me demander de faire mes ongles en rose parce que quand j'ai pas d'idée, je leur demande. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de rose qui flash. Donc j'ai pris celui-là. Et là, on peut pas faire plus flashouille, quoi. Voilà. Donc je vous les mets en barre d'infos. La référence, c'est le 50-091-5, mais c'est Néon 5, je crois, sur le site, sur AliExpress. De toute façon, je vous noterai la référence aussi. Et j'ai pris le vert là, qui est le 107, qui est comme ça. Voilà, parce que je n'avais pas de vert flashouille non plus. Tout simplement, j'ai énormément de kaki, mais pas de. Et là, ils sont en une couche hein, sur les tips. Top, franchement. Yorkshire et Elite 99, c'est vraiment mes marques de VSP préférées. Donc là, j'ai quand même mis un tout petit coup de top coat dessus pour, pour eux. Et là, je viens de recevoir. J'ai un chat dans la gorge. Le suivi. Je vais recevoir ma petite Harley Quinn aujourd'hui que j'ai commandé sur AliExpress aussi. Et le regroupement du reste de mes commandes. Comment? J'ai refait une commande hier aussi. Là, j'ai pas pris grand-chose. J'ai juste pris 3 ou 4 accessoires cheveux. Des couronnes notamment. Pour aller avec des thèmes de vidéos à venir. Voilà. Bah, c'est tout. Là, j'ai reçu hier, j'ai été chercher ma palette clochette chez mon frère. Donc, je suis en train de faire ma petite baguette magique. Pour mon réel, voilà. Donc j'ai coupé un bout de carton que j'ai bombé en doré. Et là, je vais coller quelques paillettes dessus. Je vais coller sur une baguette chinoise. Hein. Voilà, l'arrière est beaucoup moins joli que le devant. Mais bon, ça fera office d'eux. Du moment que ça tient jusqu'à ce que j'ai fini mon réel. Et là, je vais coller des paillettes dessus. Donc je prends celle de chez Action. Hein. C'est le mieux à faire. Je vais justement les coller avec de la colle en bâton. Voilà, j'avais un spray à l'époque de colle, mais il a disparu. Je ne sais pas où ce qu'il est. Et normalement, je remets de la laque par-dessus, mais j'ai donné mes laques à Amy. Donc, je ne pourrais pas remettre de la laque par-dessus. Voilà, donc là, je vais tourner. Enfin, je vais attendre le facteur de toute façon. Je tourne la vidéo pour ce soir, le réel aussi. Et de clochette. Demain, je tournerai la Batman pour jeudi. De toute façon, c'est des vidéos que vous avez déjà eues. Hein, donc voilà. Ensuite, il me restera un liner à tourner pour la vidéo du 24. Et puis, je pourrais tourner. Comment ça s'appelle? Le Disney Challenge du mois. Hier, en faisant le montage d'Harley Quinn, là, je vous ai mis à la séquence à la fin parce que je me suis pris un fou rire. Mais je rigolais toute seule ici, une vraie tarée. Voilà. Sinon, je suis en train de terminer. Enfin, de terminer, non, pas du tout. Je suis en train de. Si, de terminer. De regarder Lucifer, la dernière partie de Lucifer. Donc, je suis à l'avant-dernier épisode. Bon, je vais prendre un bout de carton pour coller les paillettes. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir faire mon teint tranquille en attendant le facteur. Là, je vais tourner les swatchs aussi de la palette clochette.
J'aurais peut-être pu faire les paillettes avant de coller les toiles sur ma baguette, n'est-ce pas? Mais bon, faut pas me demander de réfléchir tous les jours, hein. En tout cas, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé le make-up Harley Quinn. Je suis trop contente. Je n'en suis pas peu fière. Le réel aussi. Franchement, je suis très, 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 très contente. Voilà pour ça. Donc, je crois que pour aujourd'hui, enfin, si je vous remontrerai les colis quand je les aurai reçus. Bon, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs pour des vidéos à venir que je ne peux pas vous montrer. J'ai un chat dans la gorge depuis que je suis réveillée. Hein. Ça me pompe le cheveu. Attendez, je colle mes petites paillettes en m'en foutant absolument partout. Hier, chez mon frère, on a récupéré parce qu'il a un rosier devant chez lui. Alors, comme c'est la friandise préférée des chichous et que nous, on voulait en acheter un pour le planter pour avoir des roses à gogo, quoi. Pas moyen d'en trouver un. Donc du coup, je pixelle chez mon frère. Et là, il m'en a donné plein parce que, comme il l'a taillé, son rosier fait plein, 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 plein de fleurs. Donc du coup, bon, voilà. Écoutez, hein, ça fera office de, hein. On va dire que. Est-ce que j'ai pas ici une petite laque? Je crois qu'il me restait une mini parce que, bon, moi, j'en utilise pas beaucoup, mais il me semblait que j'avais une mini. Je vois où elle est passée. Tant pis. Ok, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais aller faire les swatchs pour la vidéo swatch and make-up de la clochette que vous aurez ce soir, vous. Voilà, que vous avez eu. Enfin, pour moi, c'est ce soir. Pour vous, c'était mardi. Ouh, boum. Bref. Je vais faire mon teint en attendant le facteur aussi. De toute façon, il passe d'ici 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Donc comme ça me laisse le temps de tout bien faire, quoi. Et là, je vais aussi un peu regarder mes dernières commandes AliExpress pour vous tourner un haul parce que je sais que vous aimez beaucoup quand je regroupe tous mes achats. Tous mes achats AliExpress et que je vous mets les liens directs sur une vidéo. Donc, je vais faire ça aussi. Ok. Bah, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Je réfléchis, mais je crois pas. J'ai hâte de recevoir ma petite Harley Quinn. Ouais, bon, allez, je vous laisse parce que je vais commencer à ne rien dire ou à parler pour ne rien dire. Donc, je vais aller me refaire un café et faire ce que j'ai à faire. Et je vous reprends après pour quand j'aurai fini ma vidéo. De toute façon, le make-up, vous l'aurez déjà vu. Donc, je peux vous spoiler. Et je vous reprends pour montrer ce que j'aurai reçu d'AliExpress. C'est mon petit château, oui. Alors là, il est 10h48, il faut vraiment que je me bouge le cul. Faut que j'aille filmer ma vidéo, je suis prête. Il ne me reste plus qu'à mettre ma base à paupières. Voilà, je viens de finir Lucifer. J'aime bien. Voilà, je ne vous en dis pas plus si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, je viens de recevoir mon petit colis AliExpress. J'ai reçu ma petite Harley Quinn. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est trop belle. Magnifique. Elle est... splendide, donc elle arrive en pièces détachées, la tête séparée du corps et le corps séparé du socle, mais ça va, ça y est, Enzo pète son câble, c'est assez facile à assembler, hein. C'est juste des petits clips, donc je vais la mettre dans mon fond de suite. J'ai reçu mes petites mèches, voilà, donc j'ai pris des verts tamis comme ça, des violettes, je vais voir avec ce que j'ai en haut, puisque je ne sais plus combien j'en ai de chaque. J'avais également recommandé des petits coussinets, puisque moi j'avais coupé ceux que j'avais reçus dans le coffret Amazon pour faire le rehaussement de cils. Donc ils disent qu'ils sont super souples et tout ça, donc on va voir s'ils tiennent un peu mieux sur le yeux, sur la paupière quand on doit le faire. C'est vrai qu'ils ont l'air assez souples quand même. Mais Enzo est complètement taré. Donc je pense qu'ils tiendront peut-être un peu mieux avec la colle.
On verra bien la prochaine fois que je teste. De toute façon, la prochaine fois que je teste, je dois tester en vidéo pour vous donner quelques petites astuces que j'ai dénichées et que j'ai trouvées moi-même pour faciliter les extensions, le rehaussement de cils. Il y a deux autres choses que je ne peux pas vous montrer puisque c'est des accessoires pour de futures vidéos, donc je ne veux pas trop vous spoiler. Et le dernier truc que j'ai reçu, c'est encore une couronne. Donc c'est une qui se porte comme ça. D'ailleurs, elle irait assez bien avec le thème. C'est juste que vous voyez, ici, ça remonte. Je ne sais pas trop comment la mettre. Peut-être un peu plus comme ça. Ah oui, voilà. J'adore. Vous pouvez la mettre un peu plus basse aussi. Et vous pouvez... Ah non, je vais me décoiffer. Oh là là, oh là là, je me décoiffe. Vous pouvez également la mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, je suis contente. Oui, j'ai une obsession avec les couronnes en ce moment, mais c'est de votre faute. Hein. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, avec les vidéos... Ah bah, bravo. Queen of the World et les thèmes que vous me donnez dans... Souvent, vous mettez le terme queen quand vous faites les formulaires sur un ou une abonnée choisit mon make-up. Donc, souvent, vous parlez de queen dans l'histoire. Donc, voilà, j'ai besoin de couronne. De toute façon, Sa Majesté n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Donc là, je vais aller filmer. Comme ça, après, je peux attaquer le montage parce que je traîne. Et j'aimerais bien quand même manger et faire une petite sieste puisque hier, j'ai eu une très grosse journée. Ma journée YouTube a commencé à 6h au matin et s'est terminée à 8h. 9h au soir, donc j'aimerais bien la faire un peu plus courte aujourd'hui. Voilà, et ben voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vais aller filmer. Après, ça sera montage, mangeage, siestage, publicationnage, et puis voilà tout ça. Donc on switch de jour. Donc il est 8h05. 6 maintenant, puisque je viens d'enregistrer une minute pour rien, vu que j'ai oublié d'enregistrer le son, je vous prends dans le bureau parce que je vais changer un peu mon fond. Donc je vais faire ça avec vous. Je sais que vous aimez bien quand mamie a des tocs. Attendez, je remets mon éclairage correctement. Voilà, on est un peu nul. J'ai refait aussi mon installation pour mes mèches hier soir. Donc je vous montrerai ça après. Voilà, il y avait un autre truc que j'avais noté que je devais vous dire, mais je ne sais plus c'est quoi. Lala Chico. Je ne sais plus. Mais là, je vais échanger le fond parce que ça m'a toqué hier soir. Et voilà, quand il y a un truc qui me toque, vous commencez à le savoir, il faut que je le fasse tout de suite. Tic tic de Lilou. Parce que là, on ne voit plus ma tasse Stitch. Le petit écureuil, je vais l'enlever parce que comme je vais revoir ma mère ce week-end ou le week-end prochain, je vais lui rendre, c'est à elle. Je l'ai juste repris. Elle en a deux en pierre, comme ça. Elle en avait deux en pierre. Je vais rebomber pour qu'ils paraissent plus neufs. Lilou, si tu veux, tu vas te lécher la nounouille ailleurs. Hein. Et voilà, j'ai remonté mes palettes ici en dessous sur un petit carton avec ma peluche Stitch. Et voilà, donc on va faire ça. Parce que ici au-dessus, j'aimerais bien aérer un peu. Donc je pense que je vais enlever les parfums parce qu'on ne voit pas très bien les couronnes. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire une étagère spéciale couronne. Puisque j'en ai deux qui arrivent, donc voilà. Donc on va faire ça. Voilà. Alors, il fait très sombre quand même d'un coup là. Déjà, pour commencer, bon, le petit écureuil, je vais le rentrer à ma mère quand je la verrai. Donc je vais l'enlever. Et ça, je voulais les mettre à la base de ma fille. Juste intervertir les deux là. Comme ça, on verra mieux les découps. Saisonnière, on va dire. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, j'ai essayé de faire de la place ici pour mettre mon coffret. Non, le coffret, je vais peut-être le garder. Ça, il peut aller là. Serrer ça. Je vais pas en mettre de l'autre côté, mettre les parfums ici. Vous voyez pas, mais bon, c'est pas trop grave. Les petits parfums Nox, je vous remets le code juste ici, voilà, si vous voulez en profiter, parce qu'en ce moment, comme j'en parle pas beaucoup, mon argent ne monte pas beaucoup dessus non plus. Alors, ça, et ça. Voilà.
Alors, je vais peut-être mettre ma petite fée ici au-dessus, avec la couronne devant, pour qu'elle se tienne. Voilà. Voilà, là je pense qu'on les verra un peu mieux en vidéo, déjà, pour commencer. Et ici, je vais remettre ma petite tasse licorne ici. Mais j'aime tellement cette petite tasse là, c'est un truc de fou à quel point je l'aime. Je vais remettre celle d'Emmy plus par ici. Voilà. Là, je pense que ça peut être pas mal. Ça fait un peu plus aéré, je pense, non ? Ouais, hein, ça me paraît plus joli comme ça, non? Et l'autre couronne, si je la mets dans l'autre sens, attendez, hein, je fais des tests. On verra plus que c'est une couronne, mais elle tient moins bien comme ça. Faudrait que je mette quelque chose pour la faire tenir ici. Ah, voilà. Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le petit pot, c'est un bougeoir, normalement un pomme là. J'en ai tellement marre d'allumer la bougie tout le temps que ben, du coup j'ai mis des feuilles d'automne dedans pour. Plus avoir besoin, j'ai Chico juste là à mes pieds pour plus avoir besoin d'allumer la bougie parce que j'oublie régulièrement. Donc voilà, mais écoutez, je pense que là on est pas mal. Hein. Non, le zip il m'emmerde. C'est un cadeau de ma nièce, de ma filleule. Donc je vais le mettre là et on va faire autrement pour la couronne ici. Est-ce que ça tiendrait avec ça? Je ne pense pas. Non, c'est pas assez lourd. Il faudrait que je trouve quelque chose à mettre dedans, limite. Ou mettre quelque chose de lourd par-dessus et le camoufler. Alors, attendez, hein, je vais chercher un truc que je peux mettre dessus qui cacherait. Si je mets mon petit mégot, ça le tiendrait ou pas? Ouais, mais je pense qu'on le verra quand même un peu. Je la boîte ne sera pas droite. Attendez, hein, je réflecte. Hein. Voilà, je verrai ce que ça donne avec la prochaine vidéo que je vais vous tourner juste après de toute façon. Et je vais vous montrer, alors je vais vous les filmer du téléphone, hein, mon rangement pour les mèches. Et après, je descends, reboire un café et je remonte faire ma vidéo. Voilà, j'ai changé pour que je les vois un peu mieux. En fait, le système en métal que j'avais fait, ça accrochait les mèches, donc ça les emmêlait et tout. Donc là, bon, j'ai juste laissé les crôler ici sur leur petit support. J'en ai que deux, puisque je peux de toute façon crôler celle-ci si je veux. Donc là, j'ai juste mis des clous. Alors, ils ne sont pas droits, puisque c'est moi qui les ai mis. Et puis, une ficelle, comme ça. Et voilà, je les ai accrochés. Donc là, j'ai mis celle que j'en ai que deux. Voilà, de la même teinte. En dessous, on a celle où j'en ai quatre, voire plus. Parce que ici, les verts, par exemple, j'en ai six. Voilà. Et en dessous, j'ai mis les dégradés, enfin les tie and dye. Donc, on voit un peu mieux les teintes comme ça. Et ça s'en mêle un peu moins. Bon, ça s'en mêle facilement, hein, puisque c'est du synthétique, je vous rappelle. Mais ça, c'est des nouvelles que j'ai eues hier. Celle-ci, c'est des nouvelles que j'ai eues hier. J'ai reçu deux vertes en plus. Comme ça, ça m'en fait 6. C'est les seules où j'en ai 6, mais bon, c'est celles que je mets le plus souvent. Et j'ai reçu deux comme ça ici un peu pêche là, corail, je sais pas, elles sont sublimes. Voilà, je les adore mes petites mèches colorées.
Là, je ne sais pas si je vais en mettre pour la vidéo. Comme je ne sais pas trop ce que je vais faire comme make-up encore, je ne sais pas si je vais mettre des mèches. Voilà, bref. Bon, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai mes postiches, mes colliers qui me servent également de couronne, mes postiches, mes extensions, mes mèches colorées bouclées et puis mes mèches colorées lisses et puis toujours au-dessus les serre-têtes quoi. Voilà, mais j'aime beaucoup mon petit rangement. C'est plus lisse pour regarder en fait, voyez. Enfin, comment dire, c'est plus clair. Je vois mieux qu'est-ce que je cherche. Alors, il est 7h38, très tôt. Je suis peut-être un peu haute là, je vous ai surélevé, mais attendez, je vous rebaisse. Je vous descends. Voilà. Comme ça, je peux m'affaler. Donc, je disais, il est 7h38. Bon, je suis déjà prête à faire mon teint pour aller tourner ma vidéo. Donc, c'est le dernier liner pour le 24. J'attends pas spécialement de colis, j'en attends un. Alors, je sais pas si je peux vous en parler ou pas déjà maintenant. C'est un partenariat, mais je vais vous en parler quand même. Ils m'ont rien dit là-dessus, donc voilà. Très compliqué ce partenariat. Pas compliqué en soi, mais enfin, beaucoup de conditions. J'ai Desenio qui m'a contacté. Alors, ça m'a trop fait rire parce que Amy a sorti sa vidéo sur Desenio. Et 1 heure après, j'avais un mail pour me proposer un partenariat. Donc, je dis, c'est toi qui as donné mon adresse, enfin, mon compte ou quoi. Et elle me dit, ah, non, non. Donc, voilà, ils m'ont proposé un partenariat. En temps normal, je ne sais pas trop si j'aurais accepté, puisque je ne suis pas. Enfin, si, j'aime la déco, vous avez remarqué, avec mon fond vidéo. Mais les cadres en fond vidéo, ça ne va pas parce que ça reflète. Voilà, il faut enlever la vitre, mais du coup, la photo prend la poussière. Enfin, voilà. Mais comme là, du coup, j'ai mis en haut mon cadre qui était au-dessus de ma télé. Il me manquait, il fallait que je rachète un cadre. Donc là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion d'en avoir un gratos, quoi. D'ailleurs, j'en aurais 3, puisque j'avais un bon de 100 euros. Voilà, un bon d'achat de 100 euros où je pouvais choisir ce que je voulais. Il y aura un code promo. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il n'est pas valable longtemps. Donc j'aime autant vous en parler maintenant, comme ça, si jamais ça peut vous intéresser, ben, vous savez que vous aurez un code promo. Mais le code promo, alors attendez, je reprends le mail pour avoir les dates exactes, comme ça, je vous le dis tout de suite maintenant, mais ça reste entre nous. Valable du 28 septembre au 1er octobre jusqu'à minuit, donc 23h59. Et vous aurez droit à 10% de réduction supplémentaire sur les soldes de 30% déjà. Donc ça peut valoir le coup, mais comme c'est que quelques jours, je vous en parle déjà maintenant. Comme ça, limite, vous pouvez déjà aller faire votre panier et dès que le bon sera activé. Voilà, vous pourrez valider si vous voulez, vous aurez 10% en plus. Mais voilà, mais j'ai hâte de recevoir et voir ce que ça donne. À mon avis, je les aurai aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est tout pour ça. Je ne vais pas trop vous en parler, on en parlera plus en détail dans la vidéo, puisque je dois faire une vidéo spéciale pour eux. Et comme ça, on fait un petit unboxing et puis on découvre un peu. Enfin, moi, j'ai déjà découvert, mais. Je vous partage un peu la découverte du site et tout ça. Je connaissais de nom, parce que Salomé en parle pas mal. Enfin, en parlait, je ne sais pas si elle en parle encore, puisque il y a beaucoup de youtubeuses que je n'ai pas regardées cette année. Salomé en fait partie, malheureusement. Marion, je ne regarde plus du tout, donc voilà. Mais je sais qu'elle en parlait énormément, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle faisait de temps en temps des partenariats avec eux. Et je trouve ça chouette que, bah, comme Beautybay par exemple, et maintenant Desenio, qu'il y ait des marques qui se rendent compte qu'au final, c'est peut-être plus avantageux d'offrir un peu plus de produits à des youtubeuses beaucoup, avec une envergure beaucoup plus petite et faire plus de ventes, puisque ça touchera plus de monde et plus longtemps, puisque voilà, Beautybay par exemple, je vous en parle régulièrement, c'est comme Révolution. Bon, je ne suis toujours pas affiliée chez eux, hein, mais. Quand je vous parle d'un produit, je vous en parle pas une fois, quoi. Quand je reçois le paquet, et puis après, on n'en entend plus jamais parler. Je vous en parle que j'aime ou que j'aime pas, d'ailleurs, je vous le dis plusieurs fois. Donc, forcément, ça fait plus de ventes que quelqu'un qui va recevoir, qui a 100 000 abonnés, qui va recevoir un colis, qui va en parler une fois, dire voilà, j'ai un code promo et point barre, elle n'en parle plus. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus avantageux. C'est comme Nox aussi, ils sont aussi partis sur cette. Eux, ils l'ont fait un peu à trop grande échelle, par contre. Là, maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'ils envoient beaucoup plus de parfums que ce que ça leur rapporte. Donc, ils sont en train un peu de changer tout ça.
Je pense qu'ils vont pas garder tout le monde dans la PR list. On verra. Moi, comme je vous l'ai dit, les parfums, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc, je m'en fous de pas en recevoir 15 millions par mois, quoi. Vous voyez, enfin 15 millions. La fille qui exagère jamais rien, vous savez. Mais bon, ça m'intéresse pas de recevoir 2 parfums par mois alors que j'en mets une fois par semaine, quoi. Moi, j'utilise mes brumes pour me parfumer quand je reste à la maison, et encore quand j'y pense. Sinon, je mets du vrai parfum que quand je sors. Donc, comme je ne sors pas de chez moi, j'en mets très peu. Voilà. Mais que le code promo soit valide tout le temps, ça c'est bien. Mais c'est pas le cas chez Desaigneau. Voilà. Et c'est pas un code affilié, rien. Hein, mais c'est vraiment un code pour vous, pour avoir 10% supplémentaire. Donc, ça fait comme une réduction de 40%. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Mais bon, je vous le dirai en temps et en heure. La vidéo sortira le 28. Voilà. C'est eux qui m'ont imposé les dates. Je dois faire une vidéo, je dois faire un post ou un réel, je ferai les deux, et faire 2 stories, étalées sur plusieurs jours, mais entre les dates du code promo, quoi. Voilà, ils ont énormément de conditions, c'est la première fois que j'ai autant de conditions. Beauty Bay, par exemple, ils envoient les produits, puis point barre, quoi. Mais j'ai plus de nouvelles de Beauty Bay. C'est bizarre parce que elle m'avait demandé de lui envoyer tout ce que j'avais fait par rapport au dernier colis que j'ai eu. Je lui ai tout envoyé et j'ai même pas eu de réponse là-dessus. Donc ça me paraît un peu bizarre. On verra bien. Bref, sinon, pour le programme à venir, là moi je vais tourner le dernier liner pour la vidéo de vendredi pour vous. Donc j'aurai toute ma semaine qui sera terminée la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on repart sur une semaine de vidéos, puisque du coup, j'ai le partenariat Desaigneau qui se met en bonus le mardi. Le lundi, j'avais prévu de faire une palette à make-up avec la Patricia Bright, parce que quand j'ai demandé des idées de vidéos sur Insta, elle est revenue, et ça fait plusieurs fois qu'on me la demande, donc je vais la faire. Et je voulais aussi refaire mon rehaussement de cils et vous le filmer avec quelques petites astuces que j'ai trouvées. Comme ça, on testera les nouveaux pads que j'ai commandés chez AliExpress, là. Il y a le live, donc du coup, voilà, ça fera une semaine de nouveau de vidéos complètes. Ça me fera un peu de sous au passage. Et après, fin octobre, de nouveau, la semaine Halloween, donc une vidéo tous les jours. Voilà, puis après, on sera en novembre. Et puis après, c'est le calendrier de l'avant. Moi, ça va trop vite passer. Donc, ah oui, pour le calendrier de l'avant, n'hésitez pas à m'envoyer des liners de Noël pour faire la vidéo des liners. Et également, sur une abonnée choisit mon make-up, vous pouvez me faire un thème de fête, quoi. Comme ça, je ferai une ou deux vidéos, mes abonnés choisissent mon make-up de fête, quoi. Voilà, donc j'en ferai 2, je pense. J'en ai noté 2, en tout cas. Après, il y en a peut-être qui vont sauter si j'ai des nouveautés à vous présenter ou des choses comme ça. Mais je vais quand même essayer de garder à peu près. J'ai gardé 2 places de libre. Maintenant, il y a les Get Ready que je ne sais pas si je vous ferai ou pas, puisque suivant ce que je ferai moi-même à Noël, je ne sais pas du tout. Noël et Nouvel An. Puisque je vous rappelle que le calendrier de l'Avent, c'est jusqu'au 31 chez moi, puisque je vous fais jusqu'au 25 le calendrier de l'Avent, et à partir du 26 le décompte de la nouvelle année. Voilà, c'est juste pour avoir un mois complet de vidéo. Et après, on partira sur janvier. Voilà, putain, ça va passer vite, hein. Très vite, hein. Dans 2 mois et demi, c'est déjà Noël. 3 mois et demi. La fille qui exagère pas non plus. Mais je suis déjà dans le mood Noël, automne, voilà. Bref. Alors là, je suis en train de regarder sur YouTube. Je vous mets le lien de la première vidéo en barre d'infos. Je vous l'ai partagé hier sur Insta. En fait, hier, je cherche. Ça fait 2-3 jours que je suis tombée sur des reportages sur la Seconde Guerre mondiale, les nazis et tout ça. J'ai une grande passion pour tout ça. Sur Amazon Prime, que j'avais pas vu. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me regarder de nouveau mon reportage. J'ai un documentaire, je l'ai en DVD, je l'avais acheté exprès. On s'était tapé la Fnac à Paris pour la trouver, parce que je le trouvais nulle part. Et plus moyen de remettre la main dessus. Donc hier, j'étais dépitée, on a cherché pendant des heures à 3, pas moyen de le retrouver.
Donc, je ne sais pas du tout où il est. Et du coup, je viens de les trouver sur YouTube. Donc, je vous mets la première vidéo. Vous avez sur une chaîne les trois premiers épisodes. Et en barre d'infos de ceux-là, il vous donne le lien d'une autre chaîne pour aller voir les suivants. Il y a 8 épisodes en tout. C'est jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe. J'adore ce documentaire. Il est tellement complet. Très touchant. Voilà. Alors, j'ai une passion, entre guillemets, puisque ce n'est pas une passion... C'est juste que ma curiosité et ma logique maladie font que c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans l'histoire de l'être humain en général. J'arrive pas à comprendre que... on en parlait hier avec une abonnée, que sa grand-mère a vécu la guerre, justement. Mon grand-père l'avait vécu aussi. On en parlait avec une abonnée... Acid Burn, vous la connaissez sous ce pseudo-là parce que j'en parle de temps en temps. Comment ? J'arrive pas à comprendre que tout un peuple se soit rallié comme ça aux pensées d'un psychopathe, parce que pour moi Hitler c'était un psychopathe puissance 15 000, tout comme Goebbels et Himmler. C'était vraiment le trio infernal et ils sont bien trouvés tous les trois, on va dire. Mais du coup ça a fait que ils ont tellement endoctriné le peuple que le peuple a laissé faire des choses pareilles, quoi, parce que ils sont... j'arrive pas à comprendre comment des gens... Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui fermaient les yeux par crainte d'avoir des revendications, de mourir eux-mêmes et tout ça. Mais... Et en fait, au final, on se rend compte que, bien des années plus tard, il n'y a pas d'évolution, en fait. Pas pour tout le monde, du moins. Il y en a, c'est toujours pareil. Après l'acharnement sur les Juifs, il y a eu les homosexuels, il y a eu les musulmans, après le 11 septembre, enfin, les gens n'acceptent toujours pas la différence des gens, en fait, tels qu'ils sont, et ils mettent tout le monde, c'est ce que je disais vraiment hier, mot pour mot, à mon abonné, ils mettent tout le monde dans des cases, et dès qu'on dérive un tout petit peu d'une case, ça passe plus, les gens s'acharnent, et c'est souvent sur une communauté, malheureusement, même les blacks et tout ça, quand on voit des fois ce qu'ils peuvent subir par racisme, je trouve ça aberrant que le monde n'ait pas évolué après cette histoire, quoi. Tout le monde disait, oh là là, c'est triste. Ouais, mais en attendant, vous retenez aucune leçon de l'histoire, quoi. C'est, voilà, bref. On va pas parler politique et compagnie, hein, c'est pas... Mais voilà, je tenais quand même à le dire, et ma passion me vient du fait que je n'arrive pas à comprendre. Ma curiosité fait que et ma logique veut que j'aime avoir les réponses aux questions que je me pose. Ça fait une vingtaine d'années que je suis passionnée là-dessus parce que je n'ai jamais trouvé la réponse comment c'était possible. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce documentaire-là, je le regarde au moins une fois par an, minimum. Déjà, je l'adore parce qu'il est très, très, très bien fait. Il y a des historiens et tout qui expliquent très bien les choses. Il y a des petites... Ils insèrent des vidéos tournées par les Allemands. J'en discutais souvent avec mon cousin parce que mon cousin était passionné par ça aussi. Et du coup, on en discutait souvent, mais bref, voilà. C'est un très beau documentaire, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets le lien de la première vidéo en barre d'infos et vous pourrez de la voir toutes les autres, quoi. Mais voilà, je vous le conseille. Franchement, si vous aimez... C'est un mot bizarre par rapport à la situation, mais si ça vous intéresse, tout ce qui a rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est... Ou les camps... Il parle beaucoup des camps d'extermination après, hein, C'est le pire. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée pareille? C'est fou, complètement fou. Bon, bref. Donc là, je vais continuer à regarder ça. J'en suis au troisième épisode pour l'instant. Ceux qui étaient sur Amazon étaient très intéressants aussi. Il y en a un, c'est une dame qui lit en fait des lettres et des témoignages de survivants. Ils insèrent aussi, pareil, des petites vidéos amateurs comme ça de l'époque. C'était très intéressant aussi de voir un peu le regard des personnes qui ont vécu ça. Moi, mon grand-père me racontait des anecdotes, mais lui, il n'a pas subi autant que ça, parce que bah, déjà, il n'était pas juif. Mais en Belgique, c'est dans notre petite Belgique reculée ici, c'était moins grave que sur Bruxelles ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est un truc qui, ça me rend malade. C'est comme l'histoire du 11 septembre, c'est... Voilà, le 11 septembre, ça fait 20 ans et... 20 ans, 10 ans. 20 ans.
C'était en 2001, oui, ça fait 20 ans. Je revis encore cette scène comme si c'était arrivé hier. En fait, je me vois encore. J'étais en train de regarder un téléfilm avec mon grand, enfin avec mon grand-père, non pas du tout, sur TF1. Je regardais un téléfilm de l'après-midi et Enzo allait avoir un an. Et mon grand-père était encore en vie à cette époque-là et mon grand-père, il loupait pas les informations, rien. Et du coup, mon feuilleton a coupé pour le flash spécial de cette histoire-là. Donc j'ai tout de suite appelé mon grand-père. On écoutait en même temps. Il habitait, on habitait dans le même rond-point. Hein. Plutôt que moi d'aller chez lui ou que lui vienne chez moi. Non, on discutait au téléphone de ce qui se passait. Et on a passé l'après-midi comme ça au téléphone hein, à commenter les images qu'on voyait. Quoi. C'était... c'était vraiment prenant. J'étais en pleurs. Voilà. À la fin de la journée, j'étais en pleurs. Et souvent, avec ce documentaire-là, je pleure aussi parce que quand je me dis, quand on voit le nombre de personnes qui sont mortes pour un con, quoi, un gros con, un malade, c'est aberrant. Aberrant. Enfin bref. Oh, mais pourquoi je vous parle de ça? Je ne sais pas. Hein, mais voilà, bah, je vous partage, c'est un vlog, je vous partage ce que je fais sur le moment. Et là, c'est ça en ce moment. Et voilà. Et c'est un truc vraiment qui me passionne, si on peut dire. Je sais pas si c'est vraiment une passion, mais c'est... Je sais pas comment expliquer. Le fait que je comprenne pas quelque chose, ça me plaît pas. Ok, bon, bah moi, du coup, je vais faire mon teint en regardant ça, puis j'irai faire ma vidéo. Je vais attendre 8 heures. Il est 54, là. Je vais attendre 8 heures pour actualiser mon suivi Bipost, voir si je reçois mon colis aujourd'hui ou pas. Hier, j'ai reçu le colis Beauty Bay, mais c'est pas pour moi, donc je peux pas vous montrer. Et sur AliExpress, j'ai tout reçu. Hier, j'ai reçu mon petit aimant, donc je le testerai la prochaine fois que je fais mes ongles. Mais là, il me manque plus rien de la dernière commande, enfin, de la commande d'avant. Donc là, c'est la dernière commande que j'ai passée il y a quelques jours. Donc maintenant, il faut quand même que j'attende un petit peu de les recevoir, quoi. J'ai demandé... alors, c'est très rare que je fais ça, mais j'ai demandé une collab là, à un vendeur AliExpress. Je vous en dis pas plus non plus maintenant, parce que ça fait 2-3 jours qu'on échange et qu'il me dit « Oui, bah donne-moi ta chaîne, je vais aller voir et je reviens et tout. » Là, ça fait depuis avant-hier que j'ai plus de nouvelles. Donc j'attends voir s'il va me répondre. Il avait l'air intéressé de base. Je me suis encore recommandé un pull. Faut que j'arrête. Et puis trois couronnes. Ben, une couronne et deux accessoires cheveux. Mais bon, ça c'est pour des vidéos à venir. Non, il y en a deux pour des vidéos à venir et un que je ne sais pas quand est-ce que j'utiliserai, mais que j'ai trouvé trop beau. La fille complètement malade. Après, c'est de votre faute aussi. Ce matin, je viens de lire un commentaire. On m'a toujours pas répondu, le monsieur. Après, vous vous étonnez que je prends la grosse tête. Alors, attendez. Je vais vous le lire. Par contre, avant-hier, j'ai eu un autre commentaire. Je vous en ai pas parlé parce que je voulais pas me focaliser là-dessus. Le commentaire, en soi, était pas méchant. Hein. Mais on m'a dit sous la vidéo de Clochette que j'avais du talent. Donc, voilà, c'est hyper gentil. Mais que j'étais pas très précise et qu'il fallait que je m'améliore sur ce point-là. Mais comme je lui ai répondu aux commentaires, je rappelle que je ne vois absolument rien sans mes lunettes, que j'ai de l'arthrose dans les mains, donc tenir un pinceau, ça me fait hyper mal. Voilà, j'ai de l'arthrose dégénérative dans tout le corps, surtout dans les mains. Et du coup, c'est parfois une torture de tenir mon pinceau. Je le fais parce que j'aime ça. Voilà, tant que je peux, je le fais. Donc voilà, alors ce matin c'était Joël, donc merci Joël si tu passes par là, qui me marque « Coucou ma jolie queen, tu es non seulement la reine des queens, mais également la reine du make-up, je m'incline devant tant de beauté, je n'ai plus les mots, tu es juste magnifique. J'aime ta créativité, bref, j'aime tout, des bisous, voilà. » Et comme vous me mettez des commentaires comme ça, comment vous voulez qu'après on ne pense pas que j'ai la grosse tête? Voilà. Vous êtes géniaux. Ce délire-là, ça me touche à chaque fois parce que vous rentrez tous dans le jeu. Et voilà. Après, il y a une différence entre les personnes comme moi qui sont simples à l'intérieur et qui jouent un petit peu un rôle de queen
comment je vais dire, en autodérision, plutôt que ceux qui sont passés pour des personnes simples et qui au final se prennent pour des queens à l'intérieur, quoi. Bref, bon. Combien de temps que je blablate? 20 minutes. Allez, après je dirai encore que le vlog va être court et qu'au final il va durer plus d'une heure. Donc je pense que je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Il faut absolument que j'aspire la cage des chichous, ça fait deux jours que je ne l'ai pas fait. Donc comme ça, quand j'ai fini mon make-up et que le montage s'enregistre, je peux faire ça. Voilà, c'est tout. J'ai pas une grosse journée de prévue aujourd'hui, vu que j'ai que le liner à tourner, ça va aller vite. Le montage, comme d'habitude, comme pour les vlogs, j'ai fait au fur et à mesure. Donc j'ai qu'à monter ce petit bout de vidéo et ma vidéo sera terminée. Pareil pour le réel, puisque je vous ai fait un réel là-dessus aussi. Et voilà. Donc ouais, j'ai vraiment pas grand chose à faire aujourd'hui. Donc mamie pourra aller faire sa petite sieste de queen. Ça c'est bien. Et attendre le facteur si jamais. Nourrir les chiens, manger. Il faudra pas que j'oublie de manger. Hier j'ai fait du gratin de poisson. Alors j'en ai fait pour un régiment et on n'était qu'à deux à en manger. Ça, Enzo n'était pas là, du coup il est parti. Il devait rentrer pour manger, il n'est pas rentré. Ça même pas ça, donc il n'en a pas mangé. Donc j'ai congelé ce matin le reste. Enfin, je me suis gardé ma petite portion pour midi et puis j'ai congelé le reste. Il faut que je remette des croquettes aux chiens aussi. Ok, bon bah écoutez, sauf s'il se passerait quelque chose, mais ça m'étonnerait puisque voilà, j'ai une vie tellement peu passionnante. Hein. On suit le jour. Alors, il est 9h28, je vais y arriver. J'ai très peu dormi parce que j'ai joué très tard jusqu'une heure au matin à Star Stable. Alors, Star Stable, vous êtes obligé de prendre l'abonnement. Voilà, la version gratuite, comme ils le disent, en fait, c'est juste une démo. Vous pouvez être niveau 5 et limité à une ville et demie, on va dire. Donc là, moi, j'ai pris l'abonnement. Alors, j'ai fait une boulette. Enfin, une boulette qui est totalement réparable. Hein. Mais j'ai pris un abonnement de 3 mois parce que j'avais que 13 euros de dispo. Enfin, c'est 14 euros pour les 3 mois. Alors que pour 65 euros, vous avez l'abonnement à vie. Et moi, je croyais que c'était à l'année. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je croyais que c'était un paiement par an. Parce que c'est marqué un seul paiement. Je pensais que c'était par an. Mais non, en fait, c'est à vie. C'est en regardant des vidéos un peu explicatives sur le jeu que j'ai trouvé. Là, c'est l'anniversaire des 10 ans. Je viens de découvrir le jeu. Il a 10 ans, le bazar. Voilà. Donc, j'ai joué jusqu'à une heure, hein, puisque du coup, j'ai des villes qui se sont débloquées, donc des quêtes qui se sont débloquées. J'ai eu les cadeaux d'anniversaire et tout ça. Et voilà. J'aime bien. J'ai eu un nouveau cheval. Très beau dada. Je vous mettrai un screen, tiens, maintenant. Voilà. Donc là, je vais faire je vais me maquiller, tout simplement. Je vais pas tourner de vidéo make-up, puisque j'attends mon colis. Je suis en train de marcher sur la patte de Lilou. J'attends mon colis des Aigneaux, là, pour vous tourner la vidéo du 28. Et donc, je vais aller tourner ça, comme ça, c'est fait. Et je peux mettre les cadres aujourd'hui au mur. Et au moins, ils ne traînent pas. Hein, parce que si ça traîne, ça va m'énerver. Enfin, chérie, me les mettra au mur. Parce que moi, sur une escabelle, avec un marteau et des clous, pas bonne idée. Voilà, bref. Donc, écoutez, moi, le vlog, je vais clôturer le vlog ici. Je vais faire un make-up très basique. Parce que comme je suis fatiguée, j'irai vite à la sieste, je pense. Il faut que je me décongèle de la brandade pour midi, tiens. Je ne sais pas s'il y a encore du pain, faut que je regarde. Le planning vidéo de la semaine prochaine, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. C'est pas extraordinaire. c'est deux vidéos que j'ai de retourner. Voilà, donc le mercredi, vous avez un abonné choisit mon make-up, enfin un ou une. Et le 24, c'est mes abonnés dessinent mon liner. Voilà, et puis le vlog du dimanche. Et la semaine prochaine, on repasse à une vidéo par jour, puisque du coup, j'ai la collab des Aigneaux qui s'est ajoutée, une palette, un make-up que je voulais vous faire, plus le rehaussement de cils que je voulais vous filmer la update, puisque je vous avais demandé si ça vous intéressait. Voilà, donc je vous donnerai le planning de la semaine prochaine dans le prochain vlog. Mais la semaine prochaine, on l'a fait cool, quoi, puisque là, j'ai déjà mes vidéos, en plus, elles sont filmées. Ouais, elles sont terminées déjà, elles sont filmées, elles sont en ligne, à part le vlog. Et ce week-end, je vais tourner le Disney Challenge du 29.
Et comme ça, je prends de l'avance. Je garde mon avance de vidéo, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'ai rien d'autre à vous dire, à part que, voilà, je découvre Star Stable et que j'adore ça. Donc, mais vous savez, si franchement, si vous voulez jouer, prenez directement l'abonnement à vie, quoi. Hein. Ça sert à rien de dépenser une fois 13 € ou 14 €, puis après devoir payer 65 €, c'est un peu con-con. L'abonnement, vous pouvez, que ce soit au mois ou aux 3 mois, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Voilà, après si vous l'avez à vie, ça sert à rien de l'arrêter, puisque si vous voulez reprendre même un an après, ben, vous l'avez toujours, en sachant qu'il y a toujours des mises à jour pour des quêtes quotidiennes, tous des petits trucs comme ça. Je vais voir si c'est lassant sur le long terme ou pas. Après, moi, je varie souvent. J'ai des passes. Donc, que ce soit les Sims, Guild Wars, voilà, ou maintenant tout ça, j'ai des passes. Je me lasse assez vite des choses. Là, il y a plein de quêtes, il y a plein d'activités. Je viens de regarder une vidéo sur l'ouverture du calendrier de l'Avent en jeu, puisqu'ils font des events pour les fêtes, hein, forcément. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'avoir les cadeaux. C'est souvent des tenues pour vous et votre cheval. Donc moi, j'adore ça, tout ce qui est personnalisation de mes petits skins. Voilà, bah écoutez, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Ce soir, je fais les tacos parce que Georges m'en réclame depuis un bon moment. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai déjà mis des congelés de poulet. Donc là, je vais me maquiller tranquille en regardant des vidéos. Bah, peut-être pas sur Star Stable parce qu'il faut arrêter. Je pense que je vais achever. J'étais en train de regarder les dossiers criminels là et tout ça. Donc j'ai regardé ça hier soir. Je pense que je vais continuer ça en me maquillant. J'étais en appel ce matin avec Amy, comme tous les vendredis matins. Et voilà. Maintenant, le gros dilemme pour me maquiller, c'est est-ce que j'utilise la Wilderness ou la Nikita? Je pense que je vais utiliser la Nikita, puisque la dernière fois, j'ai utilisé la Wilderness. Donc voilà. Bref. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là pour ce vlog. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour me faire plaisir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'encourager et me faire plaisir aussi. On se retrouve mercredi en toute logique, sauf s'il y a une vidéo bonus que je vous caserai je ne sais pas quand. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.